Et salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour nous les sans-abri, la galère pour pouvoir trouver des vêtements. C'est une misère à Paris. Et là aujourd'hui on va prendre l'exemple de la Croix-Rouge. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller me rendre sur place au vestiboutique pour vous montrer comment ça marche. Alors là on se trouve, comme vous pouvez le voir, devant la Croix-Rouge française. Et la Croix-Rouge ici, si vous voulez, c'est le Vesti Bouteille, boutique, bouteille, putain, s'ils donnaient des bouteilles. Voilà, tu vois. Et en fait, on peut venir que si on a, comme vous venez de voir le lire, avec un bon vestiaire. Mais le problème est, faut bien les zoomer, hein. Le problème est que vous allez rigoler. Que quand vous tombez sur la marotte de la Croix-Rouge, ils vous disent, alors là ils accueillent que les gens qui ont un bon, d'accord, mais quand tu trouves les gens de la marotte, ils te disent, ah non, nous on a qu'un nombre de bons limité. Alors je pense qu'à mon avis ils doivent sûrement les donner à une certaine type de personne. Je vais pas citer non plus parce que maintenant on sait très bien que sinon les vidéos sont boycottées. Ouais, bon, on va aller voir les camions de la marotte quand même, faut bien les voir. Alors en gros, voilà, ce qu'il faut, c'est que vous attendez ce camion-là qui passe. Et comme on peut voir, il y en a un. Hein, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, il y en a un. Et comme je vous dis, ils ont un nombre de bons limité. Voilà, donc c'est un petit peu la galère de chez la galère pour trouver les habits quand tu es dans la rue. Mais bon, après, si tu te démerdes bien, tu as toujours 2-3 commerçants qui t'aident. Et les amis, en cadeau, alors on a le droit à un passage par mois, comme vous avez dit. Et en cadeau à ce passage, on a le droit, une fois par mois, un pantalon, un t-shirt, un pull, une paire de chaussettes. Eh, pas belle la solidarité quand même avec les sans-abri. Eh, pas belle. Eh, pas belle la Croix-Rouge française de merde.